C'est bon, là ?1956, c'est ça ? Oui. Et ça démarre comme au quart de tour ? Quart de tour. C'est impressionnant, ça. Ah oui, ils étaient bons, les Allemands. Hein. Alors, on rappelle, c'est à quelle marque, alors ? Boats. C'est Boats, c'était allemand, ça ? Ouais. Et alors, il est tout simple, hein, on voit 14, le... 14 chevaux. 14 chevaux, dis donc. 1956, alors voilà, le bruit impeccable. Hein. Ouais. Alors, c'était quand même un peu rustique, hein, parce qu'il y avait, ouais, y avait un peu de place. Il n'y avait pas d'électronique. Il n'y a aucune électronique ah, là-dessus. Non. Et aujourd'hui, on pourrait pas refaire ça aujourd'hui. Bon, je sais plus faire. Donc, oui. Alors, qui c'est qui l'a remis en état, le tracteur ici ? Bon, c'est les amis du vieux Sénot qui l'ont retapé, ils l'ont repeint. Voilà, les amis du vieux Sénot qui l'ont retapé, repeint. Ouais. Il a travaillé combien de temps ce tracteur ? Il est resté un petit peu en. Voilà, il est resté en déshérence pendant quelques années, oui. Oui, oui. Et non, là, c'est fabuleux ce bruit, ce bruit extraordinaire. On va l'écouter. Tiens. Et la simplicité, 14 chevaux, il faisait tout le tracteur à l'époque. Oui, il y a le relevage, on fait tout. Il y a le relevage aussi. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et il n'y a pas de protection pour... Ah ben là, ça, à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ceinture dans les voitures non plus. On rappelle la marque, c'est un quoi exactement ? Boats. Boats. Ouais. 1956, 14 chevaux. Ouais. Regardez, est-ce qu'on peut l'arrêter pour le redémarrer encore un coup ? Le bruit du démarrage. Et on va le redémarrer encore une fois pour le plaisir de l'écouter. Tiens, on peut le redémarrer encore une fois. Regarde. Merci beaucoup en tout cas, merci.